On passe au sport à présent. Les joueurs du Tour FC, 5e au classement de Ligue 2, se sont entraînés ce matin. Vendredi soir, ils recevront le FC Istres au stade de la Vallée du Cher. Peter Zeidler est l'invité du débrief cette semaine. L'occasion pour lui de revenir sur la défaite de Tours Football Club face au Havre 2-1. Regardez. Au football, ce sont les buts qui comptent. On les a pas marqués, on a dominé le match, on avait la possession du ballon, on avait je crois 15 corners, eux seulement un ou deux, alors ça montre un peu. Il y a des détails à régler, il y a de la marge de progression. Pour le pressing, pour la façon dont on a joué vers l'avant, il y a quelques trucs à corriger. Il faut d'abord faire la vidéo et après, logiquement, il faut aller sur le terrain. On va le faire cette semaine, on l'a déjà fait ces 9 semaines. On va progresser, mais il faut faire vite. Et je leur ai dit, alors j'ai pas envie, ni Julien, ni toute l'équipe, de refaire ce type de match.